se retrouve pour parler des masques de la marque L'Action du site soindebeauté.com. Je vous mets tout en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir aller passer une petite commande. Et je sais que vous pouvez aussi retrouver ces masques-là, il me semble bien, sur le site de Nocibé. Mais sur le site soindebeauté.com, vous allez voir, vous allez tout retrouver. Pour la petite histoire, donc vous savez que j'ai commandé des masques sur la plateforme Octoly dans mon Free Store et en fait je les ai jamais reçus. J'ai contacté la marque parce qu'Octoly n'en faisait rien et là je suis tombée sur une charmante personne qui s'appelle Maria. Vous savez, hein, je vous ai déjà parlé d'elle, ça a été vraiment une personne vraiment super qui au niveau communication vraiment au top. Donc elle a été voir pourquoi... Pardon, je n'avais pas reçu mon colis. Effectivement, mon colis était reparti. Enfin, il y avait eu un souci où il n'y était plus. Donc, du coup, toutes les deux, on a déposé une plainte à la poste parce que je n'ai jamais reçu. Et là, elle m'a renvoyé un énorme colis. Donc, quelque part, tant pis qu'il soit perdu parce qu'en fait, Maria m'a envoyé un énorme colis. D'ailleurs, Maria, je te remercie vraiment beaucoup déjà pour ce colis. Et dans un deuxième temps, on en parlera tout à l'heure pour vous, mes abonnés. Alors, à la base, c'était ces masques-là que je voulais tester parce que je ne les connaissais pas. J'ai mon amie Gracia qui m'en avait offert pour mon anniversaire, j'adore, et je les mets au frigo. Ils ont tous une particularité, je vais tous vous les faire un par un en vous disant à la fin de la vidéo, je vais vous filmer et vous dire ce qu'ils ont comme particularité. Comme ça, vous saurez si vous avez envie de passer commande. Donc, c'était ceux-là, je ne les connaissais pas du tout. Donc, je me suis dit, allez, on y va, je commande, et puis voilà. Donc, c'est des masques en crème qu'on laisse 12 minutes. Vous connaissez surtout ces masques-là, qui sont les plus courants, qui se présentent comme ceci. Donc, vous avez des masques purifiants, détoxifiants, des masques exfoliants, masques lifting, masques peel-off, masques bonne mine, masques peau nette, masques hydratants. Et ensuite, ce qui m'avait aussi interpellée, c'est des petits masques. J'ai déjà testé, j'en avais un autre, bien évidemment, pour pouvoir vous en parler. Des masques qu'il faut qu'on fasse soi-même, avec l'eau, le petit fouet dans un bol. Et ça, c'est très agréable et j'aime beaucoup. De toute façon, tous les masques là, il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé. Et en plus, elle m'a mis des nouveautés où il y a des crèmes hydratantes. Je suis en train de regarder. Qui se présentent comme ça. Ça fait des petites gourdes. Vous voyez, donc ça par contre, des crèmes hydratantes, vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Vous avez aussi miel de massage, le Mali, celui-là je l'aime bien, je m'en suis déjà servi. C'est un exfoliant, il est vraiment top. Et là, gommage à l'orange aussi, je m'en suis servi. Et là, c'est bout d'argile, je ne l'ai pas encore testé, celui-ci. Donc cela, c'est une nouvelle gamme que vous retrouvez bien sûr, sur soindebeauté.com. Comme je vous ai dit, je vous mets tout en barre d'infos et à la fin de cette vidéo, je vous montre un par un. Alors j'ai été un peu plus loin et déjà c'était un énorme cadeau pour moi ce que Maria a pu m'envoyer. Et je me suis dit, et je vous l'ai fait partager comme je ne pouvais pas faire la vidéo, le code beauté, bon bien sûr qui n'est plus valable maintenant, mais il y avait déjà un code. Et en même temps, je lui ai demandé si je pouvais faire un concours par rapport justement à tous ces masques. Et là, quand j'ai ouvert le carton, donc elle m'a répondu oui, donc j'étais super contente. Et là, regardez tout ce qu'il y a. Donc j'ai regardé et je me suis dit comment je vais faire. Et en fait, comme j'ai 4 réseaux sociaux, bon avec Snapchat, mais c'est plus difficile pour faire un concours. Donc en fait, il y a la particularité d'avoir 4 sortes de masques. Donc vous avez ceux que je vous ai présentés comme ceci, vous avez ceux qui sont à faire soi-même, vous avez encore des masques, et je regarde, à faire soi-même. Tous les autres c'est des masques à faire soi-même et là je me suis dit obligée, donc ça fait 4 masques, donc je vais faire Instagram, YouTube, Facebook et Twitter. Dès que cette vidéo sera mise en ligne sur chaque réseau social, vous aurez l'image, je vais prendre les 4 masques et donc il y aura
une gagnante sur chaque réseau. Voilà, donc j'étais vraiment très contente que ben, certaines de mes abonnées, c'est dommage, pas toutes, mais déjà là, c'est énorme ce que Maria a pu faire, puissent vous en faire bénéficier. C'est vraiment des masques qui sont vraiment très agréables. Pour ma part, je n'ai pas fait de réaction allergique. Je les mets au frigo, je les coupe à cet endroit-là, vous avez une petite encoche. Oula, c'est pour vous ça, je ne vais pas y toucher, je prends les miens, au cas où je fasse une boulette. Hein. Je les coupe là, donc je descends le produit là, je coupe là et je prends mon pinceau à masque que j'ai acheté à Sephora. Je sors et je m'applique. Mettez-les au frigo, on les laisse 12 minutes et ils sont vraiment top. Je n'ai rien du tout de négatif à dire. Moi, c'est des masques qui me correspondent avec ma peau. Donc après, vous, vous verrez si vous êtes sensible ou pas. Là, maintenant, je vais vous montrer les masques que j'ai, à quoi ils servent. Ça pourra déjà vous donner une idée si vous avez envie d'aller en commander. Alors, du coup, je voulais vraiment remercier Maria et en plus elle m'a envoyé un mail en me disant qu'elle partait, donc je ne pourrais plus communiquer avec elle. Je suis triste parce que c'est vraiment une personne charmante qui a fait beaucoup, il n'y a pas beaucoup de marques qui fait tout ce qu'elle a fait, parce que perdre un colis et me renvoyer autant de masques que ça, me donner un code pour mes abonnés et me re-renvoyer des masques pour mes abonnés, franchement topissime. Donc merci Maria. En tout cas, je vous remercie vous aussi mes abonnés, parce que si je suis sur Octoly, mes potes Octoly, c'est aussi grâce à vous. Mais je pars du principe que si je peux vous faire bénéficier, je le fais, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit tout pour ma pomme hein, aussi, voilà, pour vous. Alors, n'oubliez pas, dès que cette vidéo-là est postée, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ça fera 4 gagnantes, voilà. Et ça sera random qui tirera au sort. Je pense que je laisserai une semaine. De toute façon, toutes les conditions seront sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen. Alors, ce premier masque-là, c'est un masque visage à l'huile de riz. Le masque à l'huile de riz antioxydante est une combinaison d'un macérat de lisse blanc pour apaiser et protéger votre peau, ainsi que d'extrait de bambou et de litchi pour la reminéraliser afin de vous offrir un teint parfait. Ensuite, on va avoir le masque au rasoul. Le masque au rasoul gris élimine les impuretés, absorbe l'excès de sébum et resserre les pores de la peau. L'action du rasoul combiné à l'huile d'argan nourrissante, riche en vitamine E antioxydante, prévient les effets du vieillissement. Ensuite, on va retrouver le troisième masque, le masque visage au guarana, riche en extrait de guarana et en huile d'açaï, reconnue pour leurs propriétés tonifiantes et antioxydantes. Ce masque vous procurera un effet énergisant. L'huile de noix du Brésil et le beurre de cupuaçu apporteront douceur et élasticité à la peau. Ensuite, on va avoir un masque perle coup d'éclat. C'est à faire soi-même, le masque Diandai. Perle coup d'éclat est à partir de poudre nacrée, issue de véritables perles culture et enrichie en ingrédients marins précieux tels que la conchyoline, l'aragonite et le chitosan pour redonner tonus, élasticité et éclat à la peau. Cela vous procurera un effet coup d'éclat immédiat. Ensuite, on va retrouver le masque anti-âge cranberry. Ce masque au cranberry, avec sa délicieuse odeur de fruits rouges, est à base de polyphénol et tocotrienol, reconnus pour leurs vertus antioxydantes. Il protégera votre peau du vieillissement cellulaire et la laissera nourrie et hydratée. Ensuite, on va retrouver ce masque Bonne Mine. Le masque Bonne Mine aux huiles essentielles de carotte et de cyprès et aux complexes minéraux aux vertus dynamisantes et énergisantes illumineront votre teint. La présence d'argile rose permettra d'éliminer les impuretés de la peau en douceur. Votre peau sera régénérée éclatante. Ensuite, on va passer à ce masque purifiant et détoxifiant composé d'un mélange d'huile essentielle de citron et de pamplemousse aux vertus tonifiantes et purifiantes et enrichi par un complexe minéral protecteur. Le masque purifiant et détoxifiant simule la régénération cellulaire et la présence d'argile rose permettra d'éliminer les impuretés de la peau en douceur. Grâce à lui, même les peaux les plus fatiguées retrouvent éclat et fraîcheur. Ensuite, on va retrouver un masque peau nette.
Ce masque aux huiles essentielles de lavande aux vertus réparatrices et calmantes de vitiver aux propriétés purifiantes d'un extrait de cannelle astringent et séborégulateur d'argile verte grâce à son pouvoir d'absorption permet d'éliminer les impuretés et l'excès de sébum. Ensuite, on va retrouver un masque lifting. Le masque lifting à la vitamine E antioxydante est enrichi en huile essentielle de patchouli pour atténuer les rides et ridules. Eh oui les filles. En glycérine pour adoucir et assouplir la peau, ainsi qu'en polymère estompant visiblement la fatigue de la journée. De plus, l'argile blanche favorise l'élimination des toxines et l'argile verte permet d'éliminer les impuretés et l'excès de sébum. Cette combinaison active devient essentielle pour obtenir un visage lisse et ferme. Bah, je crois que je vais en faire des litres de ce masque-là. Ensuite, on va retrouver un masque hydratant vital. Il a pour base de nombreux actifs hydratants enrichis en huile essentielle de palmarosa aux vertus régénératrices pour les cellules de la peau et d'orange douce aux propriétés tonifiantes. Il contient également de l'argile blanche douce et reminéralisante favorisant l'élimination des toxines. Ensuite, on va retrouver un masque exfoliant lissant. Le exfoliant lissant est composé d'huile essentielle de romarin et de gingembre, possédant des vertus réparatrices, stimulantes et tonifiantes, ainsi qu'un complexe d'origine marine à base d'algues éliminant les impuretés et d'argile blanche, douce et reminéralisante, favorisant l'élimination des toxines. Ce masque laissera votre visage lisse et purifié. Ensuite, on va retrouver un masque Peel Off. Ce masque Peel Off aux senteurs de pamplemousse enrichi en cannelle de Ceylan aux propriétés astringentes et stimulantes, il nettoie, exfolie en douceur, le teint est lisse, unifié avec un grain de peau. Ensuite, on va retrouver des petites masques comme ça, ou des crèmes hydratantes, ou des exfoliants sous forme de gourde. Alors là, en fait, il s'appelle le Sous Massa, 98% d'origine naturelle. Donc l'orange concentre un cocktail de vitamines A et C, association idéale pour tonifier et prévenir le vieillissement cellulaire. Les écorces d'agrumes sont riches en huiles essentielles, dont l'acidité favorise le renouvellement des cellules. Le sel marin, il va rendre l'exfoliation douce et la glycérine, elle permet d'hydrater la peau. En fait, vous appliquez une fois par semaine sur peau humide une noisette de ce doux mélange en mouvement circulaire et ensuite vous rincez. On va retrouver un autre produit, le Coolicoro, les éclats de karité issus de la coque de noix. Il contribue élimine efficacement les cellules mortes et les impuretés. L'huile de pépin de raisin, elle va adoucir la peau et la glycérine, elle va hydrater. Les senteurs sucrées, vanille, cacao, épicé, clou girofle, elles apportent un véritable voyage d'essence. La peau, elle est purifiée, hydratée. Appliquez une fois par semaine une noisette de ce miel gommant sur peau humide, massée délicatement, rincée à l'eau tiède. Ensuite, on va retrouver le Zanzibar. Le Zanzibar, il y a la glycérine et les beurres de cocum de karité, ils apportent hydratation et nutrition. Appliquez par contre chaque matin sur votre visage une noisette de crème, évitez le contact avec les yeux. Là, ça fait comme une crème de jour. Ensuite, on va retrouver Guérande. La boumarine de Guérande, Bretagne du Sud, est un véritable cocktail de minéraux et d'oligo-éléments variés indispensables à l'organisme. L'argile, elle absorbe les impuretés et les toxines. Appliquez une fois par semaine et là, vous allez laisser agir 12 minutes et rincer à l'eau tiède en évitant bien évidemment de rentrer en contact avec les yeux. Voilà pour les nouveaux petits masques. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.